Bonjour à tous, bienvenue sur Hola Amigo, la chaîne pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture latine. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois films de langue espagnole, trois films qui vont vous aider à améliorer votre compréhension, à améliorer votre écoute et à améliorer votre accent, votre prononciation de la langue espagnole. Et ces trois films, je vous les présente parce que personnellement, je les ai adorés. J'aimerais beaucoup vous les partager parce que moi, quand j'ai commencé à apprendre l'espagnol, j'ai trouvé que c'était pas forcément facile de trouver des bons films ou du moins de les connaître. Ça va être l'occasion pour vous de regarder les films en VOSTFR, en voix originale sous-titrée en français, voire de les regarder en voix originale sous-titrée en espagnol, en VOST, ou les regarder tout simplement en voix originale, seulement de l'espagnol, et pour booster au maximum votre compréhension orale. On va passer sans plus attendre à ces trois films. Numéro 1, Le Labyrinthe de Pan. Et oui, c'est bel et bien un film hispanophone pour ceux qui ne le savaient pas. El Labirinto del Fauno. C'est donc un film hispano-mexicain qui est sorti en 2006 et qui a été réalisé par Guillermo del Toro. Alors, pourquoi personnellement j'ai beaucoup aimé le film? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est un mélange hyper intéressant et original entre un univers réel et fantastique, entre un monde un peu surnaturel et un contexte historique qui est la période sous Franco. Et vous allez voir l'apparence du faune qui est assez particulière et découvrir aussi l'apparence de la fée. Bref, allez le voir, je vous en dis pas plus. Et ta mère aussi. Alors, le film appelé Y tu mamá también en espagnol, qui est un film d'origine mexicaine sorti en 2001 et réalisé par Alfonso Cuarón et qui jouit de la présence exceptionnelle de cet acteur emblématique du cinéma latino-américain qui est Gael García Bernal. Ce qui fait tout le charme de ce film sont les images et les dialogues qui sont très crus, qui sont ceux tout simplement d'adolescents. Vous allez pouvoir découvrir de nombreuses expressions et notamment entendre plein d'insultes et aussi des mots de l'argot du quotidien, comme par exemple pendejo. Numéro 3, Les Nouveaux Sauvages, Relatos Salvajes, est un film argentino-espagnol réalisé par Damián Cifrón en 2014. Il faut savoir qu'il a été sélectionné au Festival de Cannes à cette même année en 2014 et sélectionné aussi aux Oscars pour le meilleur film langue étrangère pour représenter l'Argentine. Ce film est assez particulier parce que c'est une série de 6 récits qui vont se succéder, 6 histoires courtes qui vont mélanger l'humour noir, le thriller, le suspense, la comédie et ça va être des petites histoires complètement déjantées. Le film se termine en apothéose avec la dernière histoire des 6 qui est tout simplement absolument géniale et très très drôle. Je vais vous laisser la découvrir. Et pour finir, ce film, c'est aussi l'occasion de vous familiariser avec l'accent argentin si vous ne le connaissez pas encore. Donc, ce qui est toujours très intéressant et qui va vous permettre un peu de diversifier vos dialectes, on va dire, espagnols. Pour ceux qui veulent encore plus de films de langue espagnole, ça tombe bien, j'ai la solution pour vous. J'ai préparé une liste d'idées de 10 films supplémentaires que vous allez pouvoir télécharger en cliquant dans un lien dans la description de cette vidéo. Il suffit juste de rentrer son prénom et son adresse email pour la recevoir. C'est absolument gratuit et vous allez pouvoir savoir quoi faire de vos soirées pluvieuses ou alors quand vous vous ennuyez les week-ends et ça vous permet d'apprendre bien mieux l'espagnol avec une source qui est un peu amusante, un peu plus ludique que ce que peuvent être tout simplement des cours. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un me gusta si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une pura vida.